père, l'amour à sa femme, c'est problème. Parce que elle, tant que elle n'est pas prête, ou bien soit, elle n'est pas allée dehors, derrière son Jesse J, le caméléon, et puis elle n'est pas contente pour venir sourire à la maison, quand à la maison, tout est colère. Ben, quand tu te comportes comme ça avec un homme, façon toi aussi, là, quand tu es dans la maison, on doit te valoriser, on doit te considérer, on doit te chouchouter, on doit te chérir à tout moment, là. C'est comme ça aussi, l'homme que tu es avec lui, là, tu dois aussi le chérir aussi. Dans la vie, là, tout le monde a ses défauts. L'homme a ses défauts. La femme aussi a ses défauts. Façon toi, tu as ton comportement chez tes parents, là. C'est comme ça, moi aussi, là, j'ai mon comportement chez mes parents. Et nous deux, nous décidons de venir vivre ensemble. Donc là, c'est deux comportements différents qui viennent se unir. Ce qui veut dire qu'on doit apprendre à se compléter, se corriger, se soutenir. Mais les femmes de ton genre, là, c'est eux, là, qui montent sur la tête de leur mari dans la maison. C'est eux qui commandent leur mari dans la maison. C'est eux qui décident tout à la place de leur mari à la maison. Eux, le monsieur devient comme esclave. Et quand tu fais ça, même pour faire l'amour à ton homme, là, tu n'as pas le temps. Même pour faire un simple amour à ton homme, là, tu ne trouves pas ça judicieux. C'est-à-dire que le jour où tu dois faire l'amour à ton homme, c'est que tu veux l'escroquer. Oui. C'est que tu veux l'escroquer parce que là, tu as besoin d'argent. Tu as besoin de quelque chose. Donc là, maintenant, tu lui veux faire ouverture. Sinon, si ça va, ça là. Il n'y a pas d'ouverture. Frontière toujours fermée. Même pour voir ton corps, c'est problème. Pour dormir, là, tu te doubles, on dirait ninja. Ninja qui va en guerre. Le jour que tu te mets en robe de nuit, c'est que ce jour-là, il y a une demande à faire au monsieur. Monsieur doit saigner d'abord. S'il doit pas, si, s'il y a pas, il n'y a pas une demande à faire, ce jour, tu es toujours un ninja. Ninja, comme si tu partais en guerre, dans ton propre foyer, dans ton propre lit conjugal, avec ton propre mari, tu es habillé en ninja. À minuit, là, toi, tu es habillé en ninja. À minuit, où on doit faire les acrobaties, les acrobaties, où on doit faire les lancements, où on doit faire les roulades, où on doit faire les chuchotements, où on doit te caresser. Où on doit faire le mmh. Toi, tu es en ninja. À 2 h du matin. Où on doit faire les frottements. Où on doit faire les croisades. Où on doit faire les révélations là. Toi, tu es en mode ninja. Bah, toi, c'est à ces heures-là. Toi, ton ninja là commence. Ton côté ninja là commence. Mais quand tu te comportes comme ça, quand le monsieur passe toute la nuit en mode fuyard, parce qu'il est en face d'une go ninja qui est habillée en ninja. Elle a porté double cadenas. Tout est fermé. Même pour voir même ses problèmes, on voit rien. Maintenant, le matin, quand il sort, il est nerveux. Quand il va dehors, derrière celle que tu appelles Tizal, celle que toi, Francis, tu appelles Tizal, quand il va dehors, puis elle, quand elle le reçoit avec une. Elle a le temps pour lui, pour le regarder, pour l'écouter, pour lui donner des conseils. Tu te sens menacé maintenant. C'est là que tu trouves que ouais, garçon est infidèle. C'est là que tu trouves que ton mari n'est pas sérieux. C'est là que toi, tu trouves ton mari, il court derrière les filles dehors. Il court derrière les tisa. Tisa là, c'est femme. Parce que toi-même là, avant de devenir femme mariée là, tu étais dehors aussi. Avant que toi, Francine Ba, tu rentres dans ce que tu appelles foyer, que tu es dedans et puis tu vas derrière Jesse J là, tu étais dehors aussi. Tu flottais mari des gens. En ce moment là, tu n'avais pas bague au doigt. Tu flottais mari des gens. Mais pour toi là, on n'a rien dedans. On t'a pas condamné. On t'a pas jugé. On t'a pas lancé une pierre. On t'a pas lancé une pierre. Mais c'est toi aujourd'hui là. Tu viens lancer la pierre à José.
comme si José est démon. Mais si José est démon, là, c'est que toi, tu es plus que démon. Francine Barthes, c'est que toi, tu es plus que démon. C'est que toi, tu es plus que démon. Qu'est-ce que José a fait? Tu es criminel, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Façon, toi, à l'heure où on parle, quand tu fais les vidéos, t'as vu comment? Tu t'habilles, on dit une femme qui n'a une femme qui est célibataire, qui est en train de jouer garçon. Mais quand tu fais là, qui parle? Genre, tu es trop star, hein? Tu es trop star. Pourtant, toi, tu es des femmes mariées. N'est-ce pas? Mais à ça, là, quand tu fais tes lives là, il y a des hommes qui t'appellent. Il y a des hommes qui te draguent. Il y a des hommes qui t'invitent. La preuve en est. Ton caméléon là. C'est pas dans ça qu'il t'a vu. Et puis vous avez fait vos moukoumoukoum ensemble. Mais là, qui a parlé? Qui t'a lancé une pierre? Qui t'a jugé? Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Et puis toi, tu vas venir aujourd'hui pour venir lancer la pierre à José. Bah, tu es trop mieux que José. Ma soeur, en tant que femme, José, là, c'est parce qu'elle est humble. José est 10 000 fois humble que toi. Tu es âgé, mais tu n'es pas sage. 7. Tu es avancé en âge, mais en conscience, là, tu n'es pas sage. Tu es très gamine. Apprends à être sage. Apprends à t'assagir. Si tu as un conseil à donner, tu peux donner. Tu n'as pas de conseil là. Faut faire vu et ignorer. Faut faire vu et ignorer. Bah, tu penses que tu es à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Bah, ton comportement là. Toi-même qui es venu qui fait l'amour à José là. Tu as peur parce que toi-même tu as un sale comportement. Tu parles parce que toi-même tu as un sale comportement. Donc tu te dis que où tu es là. Tellement tu as un sale comportement. Tellement tu es agaçante. Tellement tu es une femme qui menace son mari. Tellement tu es une femme qui domine son homme là. Tu as peur qu'il va tomber sur une fille qui est sage, qui est respectueuse. Parce que s'il tombe sur une femme qui est sage, respectueuse là, tu risques de le perdre. C'est pourquoi tu fais ces bruits là. Parce que quand tu fais des bruits là, c'est en même temps un alerte, tu lances à ton homme et tu vis pour le menacer, pour l'effrayer. Mais ma soeur, sois pas pressé. Quand tu as un bon comportement là, tôt ou tard là, ça sort. Ah, ça cache pas où? Tôt ou tard, ça sort. Donc ne dépresse pas. Tu es pressé pourquoi? Tu es dans la main pourquoi? Tu es pressé pourquoi? C'est José là. C'est José qui te donne vue. C'est la vie de José là. Qui te donne 1000 euros. Racine bas. C'est la vie privée de José que tu as chargée là. Qui t'envoie tes cotes. Quand le mois finit là. Facebook te donne ça. Donc apprends au moins à la respecter. Parce que si José t'est rien, comme tu le dis là. Si elle était mauvaise comme tu penses là, tu n'avais pas bouffé son diable comme tu bouffes à l'aile là, dans Facebook. Et puis tu viens encore t'asseoir sa vie. Laisse des personnes honnêtes parler. Parce que toi, tu n'es pas honnête. Laisse des femmes sages venir parler parce que toi, tu n'es pas sage. Laisse les femmes dignes venir parler parce que toi, tu n'es pas digne. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage au point de faire la morale à José. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage au point de faire la morale à José. Ou bien de faire la morale à Sérédier. Passer à te voir parler, on sait que où tu es là. Où tu es passé pour arriver là où tu es là. C'était plus pire que pour José là. Mamie Francine va à te voir parler là, on sait que, on sent. Je sens à te voir parler que là où tu assises là. Là où tu te retrouves aujourd'hui, il t'appelle foyer là. Ce que toi tu as fait, c'est plus pire que pour José. Ce que toi tu as fait là, c'est plus pire que pour José. Mais c'est pour José que tu as chargé. Tu as chargé ça pour te faire oublier le passé.
C'est comme des gens, il y a des personnes, surtout il y a des femmes, excusez-moi, je t'aime pas toutes les femmes, pas toutes les femmes, mais il y a des femmes des fois, quand ils sont dans un couple, où ils sont, où se retrouvent avec des enfants, des autres femmes qui étaient dans le foyer, mais qui sont parties. Les enfants là, quand ils les aiment pas là, c'est-à-dire que quand, ou bien qui ont eu des problèmes avec leur maman, quand aujourd'hui les femmes là sont là et puis les mamans n'est plus là, quand elles se retrouvent en face de ces enfants là, automatiquement, c'est la haine pour la femme qu'elle ressent lorsqu'elle voit l'enfant. Pourtant, l'enfant n'a rien fait. L'enfant est innocent. Mais la haine qu'elle a pour la femme qui est partie là, automatiquement, elle déverse cette haine là, cette méchanceté là, contre les enfants. Et c'est ce qui est le cas pour toi, Francine Ba. À te voir parler de cette histoire de José là, c'est comme si tu avais de la haine. C'est comme si ce que tu as vécu dans ton passé, ce que tu as fait à tes camarades, ça a échoué. Est ton mal. C'est-à-dire que quand tu as fait, est ton déjoué, tu as échoué. Quand tu as essayé, ça a échoué. Ça n'a pas réussi là. Ce mal-là te ronge. Mais tu n'oses pas venir avouer cela. Tu n'oses pas, tu n'as pas le courage d'avouer ton passé. Tu es obligé de venir cacher. Tu es obligé de venir camoufler ton passé et puis venir charger la vie de José. Pourtant, tu n'as rien fait. Pourtant, José, tu n'as rien fait. Famille, partagez direct. Partagez, mettez les cœurs. Mettez massivement les cœurs, partagez. Partagez massivement, mettez les cœurs. Ce soir-là, ce ne serait pas bon. Partagez massivement, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez. À te voir parler, là, ta soif de vengeance, ta haine, ton hypocrisie, ça te ronge. Mais ma soeur, José là, elle est pour rien. Elle t'a rien fait. Ce couple là, c'est entre José et puis Sérédier avec comment ça s'appelle là? Aline. On n'a pas dit José avec Sérédier et puis Francine Ba. Tu bouillonnes pourquoi? Tu cours pourquoi? Tu cries par rapport à quoi? Tu veux effrayer qui? Tu veux intimider qui? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? En temps normal là, dans cette histoire là, serais moi à ta place là, j'allais m'isoler. Je l'avais vu et ignoré. Je n'allais même pas me faire entendre. J'allais me taire. Si je n'avais pas de conseils à venir donner, ou bien mon humble avis des débuts passés, j'allais me taire. Mais tu veux te faire entendre, tu veux montrer que toi tu es là. Mais toi tu es là, tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? Et puis tu as passé ta carrière à t'apprendre à une femme. Que en dehors de son rang de femme même là, elle apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. Toi tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire, Francine Ba? Avant de venir faire la morale à José là, toi tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? Explique-moi un peu. Dans ta carrière là, de là où tu as commencé, où tu as traversé, où tu as vécu, où tu es passé, pour arriver là où tu es aujourd'hui là, tu as apporté quoi une fois à la Côte d'Ivoire? Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, toi, tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi? Parce que je ne vois rien. Explique-nous. Tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Rien. Et tu as fait la morale à une icône comme José. Si Sérédier est ton fils là, si Sérédier est ton fils là, va le prendre. Va le prendre. Tu es fan du gars. Parce que comme toi, tu n'as pas eu l'occasion d'être à la place de José, ça te fait mal. Tu es là, tu fossifères. Tu cries. Maman, tes chemises là, tu vas beaucoup changer. Tes tailleurs là, ils n'ont qu'à bien s'aligner. Tu vas faire publicité d'habillement. Ça, c'est ce que tu sais faire. De là où tu te trouves. C'est ce que tu sais faire. Sinon, à part ça, là, tu ne peux rien faire. À part ça, là, tu ne peux rien faire à quelqu'un ici. Tu ne peux rien faire à José. Parce que tu ne nourris pas José.
Ton salaire Facebookal là, tes 1000 euros de Facebook là, ça nourrit pas José. Parce que ce qu'elle bouffe là, ce qu'elle gagne là, c'est plus que pour toi, c'est 10 000 fois, 1000 fois que mieux que pour toi. Donc la nourrit pas. Elle dépend pas, elle dépend pas de toi. Tu as compris? Maintenant, si par rêve, si par semblant, si par ignorance, c'est Dieu là, c'est ton fils là, ben, va par là, c'est Dieu. Va lui dire, mon fils, laisse José, et puis tu vas marier comment je vais te donner. Parce que lui, c'est Dieu là. C'est où il prend son plaisir là. C'est là-bas il est collé. Façon toi, ton soi-disant mari que tu as là, tu passes ton temps le cacher. Par exemple, tu vois qu'il y a un bout dedans. Tu vois que si tu le laisses, une autre va t'arracher là. Enfin, tu vois là. C'est comme ça aussi, c'est Dieu là. Il a vu son goût aussi dans José. Donc, où il est là, il s'est dit que s'il a laissé José là, quelqu'un va le prendre ça aussi. Donc, il ne la laisse pas. Toi, ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Maintenant, si tu es trop fâché là, Adam, laisse ton soi-disant mari et puis va prendre ce Dieu. Si l'homme que tu as là, il ne te suffit plus, il ne t'arrange plus, il n'est pas footballeur, et que toi, tu veux footballeur là, ma soeur, il n'y a pas la honte dedans. C'est championnat. C'est championnat. Tu peux le laisser. Maintenant, si aussi ton Jesse J là, il ne fait pas ton affaire. Bah, il n'est pas footballeur. Lui, il met son pied là. Son pied est X comme pour moi ici. Son pied là est X comme ça comme pour moi ici. Il ne peut pas jouer ballon à ça. Donc, si lui ne t'arrange pas aussi là, laisse-le. Il n'y a pas la honte dedans. Bien courir aussi avec Serédier. On va parler un peu plus tard, fini. On va arrêter de faire. Bah, il est libre de prendre femme qu'il veut. C'est à lui d'être conscient ou pas conscient de ses actes qu'il pose. Et puis, José là, elle n'a pas compte à te rendre. T'as compris? Mamie Francine Ba, José là, elle n'a pas compte à te rendre. Si toi, à ton âge là, tu n'es pas sage, tu ne te fais pas respecter là. Respecte la petite fille là, parce qu'elle te respecte. Elle te respecte. Elle ne te connaît pas, hein, mais elle te considère. Pas parce qu'elle a peur de toi. Non, ne pense pas que tes vidéos à deux balles là. Tes vidéos à deux balles là. Ne pense pas que ça a fait quelque chose si José. Si tu as trop mal là, faut aller prendre champagne, tu as mis dans ton verre, tu as boire, ça t'est passé. Si ton cœur est trop chaud là, si ton cœur est trop chaud là, faut aller dans le frigo, tu vas prendre un verre d'eau bien glacé, tu vas boire. Ça va calmer tes ardeurs. Ça va calmer tes ardeurs. Dans le cas contraire, là, faut aller prendre ton moro là. Faut le payer un bon moulet chinois. Faut t'occuper bien de lui. Tu vas oublier José. Parce qu'on dirait que c'est parce que ton moro là, tu t'occupes pas tout bien de lui. Et puis lui aussi, là, il n'a pas ton temps. C'est pourquoi toi, tu as le temps de venir conspirer sur la vie de José. Sinon, si le monsieur là, il te prenait un bon temps, il s'occupait bien de toi là, tu n'allais pas avoir le temps de venir des vidéos à débattre José. Elle est artiste, chanteuse. C'est vrai dire là, il est footballeur, artiste footballeur. Maintenant, toi, tu es quoi? Tu es blogueuse, non? Tu es blogueuse, non? Hein? Donc, faut aller faire pour toi aussi, ton décider aussi. Tu penses, nous, on sait pas quoi. On n'a pas au courant quelque chose. Parce qu'on s'est calmé, on s'est tué. Tu penses, c'est fini. C'est toi qui sais courir à la vie des gens. Pour toi, même, c'est là. Tu parles pas de ça, hein. Tu cours pour les autres. La paille qui est dans tes yeux, là, tu n'enlèves pas, hein. C'est pour les gens, là. Tu veux tirer force. On dit, non, laisse nous. C'est ça, enlever. Toi, tu vois clair. Quand tu vois clair là, il faut enlever pour toi d'abord dans tes yeux, toi-même d'abord, avant de venir te charger la vie des gens. Carrément, Tiza. Toi, tu connais Tiza. Donc, toi, tu connais bien Tiza. Tu connais Tiza. Donc, c'est toi qui connais Tiza. Sinon, c'est que moi, je sache là. Tu t'es pas. J'ai dit que.
Tu t'es pas marié avant d'arriver là où tu es aujourd'hui là. Tu as été d'abord Tisa. Tu as été Tisa. Tisa. Tu as été Tisa. Quand tu es arrivé là-bas, tu étais Tisa. Et puis tu as chippé. Tu as chippé. Tu as picoté comme corbeau. Marié de quelqu'un là-bas. Maintenant, comme elle n'a rien dit. Donc tu penses que pour toi, là, on ne connaît pas. Pour toi, là, on ne peut pas parler de ça. Tu vas venir charger la vie de José matin, midi, 16h, 19h. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Mamie, tu n'as pas honte? Quelle est cette manière-là? Les vrais sujets sont ceux-là. Tu ne parles pas de ça. Tu ne charges pas ça. Tu as ferré, non? Si tu as ferré, là, voilà les Africains. Voilà tes propres frères noirs qui ont la peau noire comme toi, là. Qui sont en train de mourir là-bas. Qui demandent d'aide, soutien. Il faut parler de ça. Pose ta caméra. Parle de ça. Donne ton avis. Là, on va se rendre, tu es une femme. Une femme digne qui se bat pour les humains. Parce que lorsqu'on sache, on sait que c'est la femme qui donne vie à l'homme. Voici les sujets que toi, Francine Bat, tu devais parler de ça. Faut parler de ça. Tu as le plein droit de parler de ça. Tu as le plein droit de venir parler de la vie de tes enfants, de tes frères africains qui sont en train de tomber là-bas. Au Maroc ou bien en Espagne, je ne sais pas où ça là. Parle de ça. Mais ça, tu fais vie et ignorer. Donc ça là, tu fais vue et ignorer ça. C'est pour José là que tu as chargé. C'est pour José qu'on voit. Sinon, vous qui êtes cachés là, vous qui faites plus pire là, on ne parle pas de ça. Vous êtes beaucoup dans France là. Vous volez mal de vos camarades. Mais ils ne disent rien. Vous êtes beaucoup dans France là. Vous divisez les foyers. Vous divisez les foyers dans France là. Mais on ne vous, on parle pas sur vous. On ne vous dit rien. Pour vous là, c'est noble. Pour vous là, c'est correct. Pour vous là, c'est honnête. Vous ne connaissez même pas la vie des gens qui sont ici, qui sont en Côte d'Ivoire. C'est vous qui voulez, qui matin vous vous levez, vous brossez là, José. Pour vous brosser là, c'est José. Pour manger à midi, c'est José. 16h, votre loco là, c'est José, à SRD, avec Aline. 18h, vos foutous là, c'est José, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? J'en veux être trop propre que José. Et puis je vois, elle s'assoit là. Francine va s'asseoir pour dire, oui. Elle voit les gens qui viennent mettre les commentaires pour dire, oui. C'est lui qui avait péché, lance la pierre. Donc, c'est pas normal. Mais, ma soeur, c'est toi qui viens juger José. C'est toi qui es venu juger José, qui est venu parler de José. Donc, c'est que toi, tu étais trop propre. Donc, c'est pourquoi aussi les abonnés aussi t'ont émis le message pour te dire, si jamais toi, Francine Bala, tu n'as jamais eu à coucher avec un homme marié, ben viens lancer la pierre à José. Et puis tu vois, si tu penses à mal, pourquoi tu penses à mal? Mais ne te fâche pas. Oui, ne te fâche pas. Tu dois être content de ça, moi quand même. Tu dois être heureuse de ça. Ou bien, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as même pas honte. Même pas sans plus ta hiel. Toi, on t'a accusé ici d'avoir couché avec Jesse J. Tu as bégayé. Ton type là, il n'a même pas été capable de faire une vidéo pour dénoncer cela, pour dire non. Vous avez fait vu et ignorer. Vous êtes mis bien. Vous avez pris bien vos plaisirs. Quand c'est sorti là, vous avez fait les moukoum, caché, quand c'est fini, on a tapé l'œil. C'est toi qui as venu charger à faire de la vie de José aujourd'hui. Comme si c'était Bacacho qui vendait. Ton bac là, tu vas décharger ça. Bah, tu ne décharges pas là, c'est toi.
Tu décharges pas la vie de Josué, c'est toi. Tu t'amuses, tu fais vidéo, je sors ici, toi. Donc, c'est lancé. Hein. C'est lancé. Matin, midi et soir, tu fais vidéo sur la vie de Josué, je sors sur toi, Kansimba. Je sors sur toi. Toi et ton mari, Jesse, le caméléon de Facebook, je sors sur vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Vous pensez que nous, on est aveugles, on n'est pas clair. C'est vous qui avez le monopole, la toile. Mais je suis avec vous deux là. Et puis maintenant, famille, taguez-moi Jesse le caméléon. Mais avant d'arriver sur ce caméléon là, cet homme vendu là. Famille, on va faire une petite pause publicitaire. Oui, c'est quoi ça y est? Famille ouverte. Aïe! Ça chauffe pas. C'est quoi ça y est? Ou bien? Vous savez. Aujourd'hui, c'est gracieux. C'est bien, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Parce que tu peux être aujourd'hui en Allemagne, tu peux être aujourd'hui en Espagne, tu peux être aujourd'hui au Canada, tu peux être aujourd'hui en Suisse, en Russie, aux États-Unis, au Brésil, partout où tu peux te trouver. Tu as un parent en Côte d'Ivoire. Et puis, tu veux lui envoyer de l'argent, mais tu sais pas comment il faut faire. Tu as un parent en Afrique. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ta chérie, ça peut être ton chéri, ça peut être tes enfants. Tu veux lui envoyer de l'argent pour faire une activité ou bien pour le soutenir, mais tu sais pas quoi faire. Tu sais pas comment tu dois faire pour lui expédier de l'argent. Famille. Ne soyez plus complexé pour cela. Ne soyez plus stressé. Ne soyez plus de l'amertume. Il y a une méthode très facile. Oui. Très facile, sécurisée, fiable et très rapide. Simplement, téléchargez l'application Tam Tam Send. Et lorsque tu télécharges l'application Tam Tam Send, pour faire l'envoi, tu tapes simplement le code. Mike 2022. Je reprends. Tu tapes le code. Le code de Tam Tam Send pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire et partout en Afrique à un de tes proches, à une personne de ta famille, bien à une personne que tu veux l'aider ou tu veux envoyer de l'argent. Tu télécharges l'application Tam Tam Send et puis tu fais l'envoi en composant le code promo qui est Mike 2022. Je reprends Mike 2022. Et quand tu fais cela, sachez très bien que pour toutes vos opérations, je dis bien pour toutes vos opérations, vous n'avez que simplement 2 euros à payer comme frais d'envoi. Vous avez seulement que 2 euros à payer comme frais d'envoi. À part ça, vous n'avez plus rien à payer. Quel que soit le montant, gratuit. Quel que soit le montant, si tu veux envoyer ce que tu veux, envoie toute somme que tu veux. Tu payes que seulement 2 euros. C'est gratuit. Hein, famille? Voilà. Et tu envoies, tu as, en faisant ça aussi, tu permets à offrir 5 dollars, 5 euros, 10 euros à des familles les plus démunies, à les enfants, les orphelins, les veuves, des personnes en détresse. OK? Voilà. C'est un peu cette contribution, on doit le faire vraiment à pouvoir soutenir des personnes en détresse. Ok, famille? Donc, c'est un peu ça. Alors, on va revenir à notre mouton, famille. À notre mouton de Tabaski. Adama, on peut faire ça. Taguez-moi décider le caméléon, famille. Et puis, partagez le direct. Partagez massivement direct. Taguez-moi décider le caméléon de Facebook. L'homme le plus vendu. L'homme le plus idiot, l'homme le plus stupide de Facebook, l'homme le plus incapable, indigne de Facebook, Jesse le caméléon, taguez-le moi. Il n'a qu'à venir s'asseoir, sa chaise alcoolique là, il n'a qu'à s'asseoir ça, j'ai 2 mots à lui dire. Parce que quand on voit des honnêtes personnes qui parlent et puis on voit des brebis galeux, on voit des personnes sans valeur venir se parvaner sur la vie des gens. Il faut qu'on le parle. Pas caméléon.
L'homme le plus vendu Facebookal. Le chien des gardes. C'est toi qui parle encore. Toi encore, tu es ici. Toi encore, tu es sur la vie de José. Tout le monde peut parler sur Facebook, mais sauf toi. Tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de ta vie d'abord. Tu n'as pas pitié de ta personne. C'est si José, tu es arrivé. C'est sur José, tu es arrivé. Adama, faut t'asseoir. Tes lèvres d'Agbonobala, faut t'asseoir, ça. Tu as bien me regardé. Ben, tu penses que tu es trop joli. Tes produits pourris, tu mets tes lèvres là. Faut pas arrêter, hein. Faut pas arrêter. Dans quelques temps là. De toutes les façons. On serait pas étonné où. Parce que Bevla, ça a devenu on dirait beau floto de Fatou au quartier. Tu vois les beaux photos là, quand on met en huile là, Fatou ça se gonfle là. Ça a devenu comme ça. C'est à dire que c'est parce que tu vois passage dans Bevla, là tu manges non. Et puis tu as le courage de sortir faire vidéo sur José. Mais faut pas te presser, dans quelques temps là, Bevla. Ça a tellement devenu bombé là que tu pourrais même avoir un passage pour mettre manger dedans pour avaler avant de venir passer la vie des gens. Tu es assis calmement ton coin là, ça te suffit pas. On t'a oublié un peu là, tu n'aimes pas ça. On t'a isolé un peu là, tu n'aimes pas ça. Au lieu de venir te faire racheter un peu, si les sujets qui concernent l'Afrique, qui concernent tes frères africains qui sont venus avoir des problème là-bas, là tu parles pas. C'est si la vie de José, là, tu as vu occasion. Toi, tu es propre que José. Toi, tu es propre que José. Tu peux faire l'amour à José. Et puis, si José vient présenter ses excuses, mon frère, si elle, son éducation ne lui permet pas d'être insolent comme toi, si elle, José, là, son éducation ne lui permet pas d'être arrogante comme toi. Si elle, José, là, son éducation ne lui permet pas d'être vendue comme toi, Jessie Jill. Et qu'elle vient présenter ses excuses. Et qu'elle présente ses excuses à ceux qu'elle a envie de présenter. Toi, tu penses que tu es mieux placé pour lui faire la morale? Tu es sûr? Toi, tu parles des Stija aussi. Mon frère. Tu t'es bien vu là. Oh Adama, vraiment, c'est le monde à l'envers quoi. C'est le monde à l'envers. Tu t'es bien vu, mon frère. Attends, c'est parce que tu avais un peu bu, tu étais saoulé, que tu voulais faire les gens. C'est à dire que comme toi, tu aimes quand on te prend en cabrimo, tu aimes ça. Non, c'est-à-dire que tu t'es oublié au fait. Tu t'es oublié. Le rêve humain, c'est vrai. Tu comprends? Maintenant pour toi là. Dans pour toi là. Tu avais envie de te savonner au fait. Tu avais envie de chercher un sujet où on va te savonner. Et puis tu as eu pour José là. N'est-ce pas? Mais ne te presse pas. Mais avant de venir parler de la vie de José là, Yeri, ta statuette là. Ta statue qui est là-bas, là. Je ne sais pas si elle est partie, elle est revenue encore. Hein. Jessie J, je ne sais pas si ta statue que tu as mis, qui t'appelle femme, là. Je ne sais pas si elle est revenue. Hein. Mais si elle n'est pas revenue, là, il faut aller la chercher. Tu as compris? Parce que pour toi, là, tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit. Pour toi, là, elle n'est pas artiste chanteuse. Pour toi, là, c'est-à-dire que même elle passe, là, c'est vu et ignoré. On ne sait même pas s'il y a quelqu'un qui est passé. Pour toi, là, c'est ce que tu appelles du ciné, là. Quand elle passe, là, on ne sait même pas s'il y a quelqu'un qui est passé. Elle passe même là. C'est comme s'il n'y avait rien. On ne voit rien. Donc, pour toi, là, tu n'es pas en danger. Va la prendre. Et puis, pense à aller chez ses parents pour la doter. Elle, au moins, là, elle passe inaperçue. Va la doter. Tu as compris? Il faut aller la doter.
Toi, tu n'as même pas encore doté enfin les gens qui sont chez toi, qui t'appellent femme. Là. Et puis, tu passes ton temps à pousser les gens à lui manquer de respect. Et puis, elle-même, là, tu la pousses à manquer de respect aux gens. Tu veux la vendre à la vérité populaire, là, matin, midi et soir. Là. Faut penser plutôt à comment tu vas la légaliser d'abord. Comme toi, tu es mature. Là. Comme toi, tu es responsable. Comme toi, tu es sage. Comme toi, tu es respectueux, tu es bien. Pense plutôt à aller valoriser d'abord celle qui est toi, là. Ou bien qui est partie, mais que je ne sais pas si tu as peur de la faire revenir là. Pense plutôt à la légaliser. Parce que quand on parle des gens qui sont sages, des personnes qui sont consciemment posées là, faut t'enlever dedans. Parce que toi, tu es très mal placé. Mathématiquement parlant, tu es tellement mal placé. C'est toi hier là. Tu es parti coucher à 36 bar. C'est toi, on t'a accusé d'aller coucher Francis Ba. Là, là, ton Dagboloba, là, tu es là. Tu peux plus parler. Tu pouvais plus parler. Ta langue, là, tu avais avalé ça. Tu pouvais plus parler. Tu es parti te retrouver dans main de, la mer là-bas. Gayakou tête. La mer là, son cria. Tu pouvais plus parler. Ta langue, là, tu avais avalé ça. Tu avais avalé ça. Donc, faut plutôt aller t'occuper de ceux qui t'appellent à dessiner là. Celle que tu passes ta vie à la blaguer là. À la faire croire ce qui n'y est pas là. Il faut aller t'occuper d'elle. Les hommes parlent de leurs femmes. Les femmes parlent de leurs maris. Et puis toi, tu parles de aussi. Toi aussi, tu parles de aussi. Et puis tu oses avoir le courage de venir traiter les femmes de tisa. Vraiment, mon frère, vraiment, tu es bête. Tu es bête de. Eric, pourquoi tu es bête, bête comme ça même? Hein? Dagbouba, pourquoi tu es bête fou comme ça? Hein? Ou bien c'est ce que tu as bu là qui te rend bête, bête là quoi? Vraiment. Attends, on peut être mouto comme ça? On peut être bête comme ça. Tu peux être bête jusqu'à ce point-là comme ça. Toi, tu as fini déjà. Tu as fini, tu as oublié. Tu as oublié tes nombreux soucis, tu as oublié déjà. Toi, tu as venu traiter femme des gens, des tisa. Toi, Jesse J, tu penses que tu es mieux placé pour traiter José de tisa. Hein? Être la tête, tu la traites de tisa. Hein? Mais elle, elle te nourrit à l'aller-retour. Elle, elle est plus valeureuse que toi. Elle, elle a quelque chose qu'elle apporte à la Côte d'Ivoire. Elle, elle est 10 000 fois mieux que toi. Elle, elle est. Tu as vu que. Sur le plan intellectuel, elle est 10 000 fois bien posée que toi. Sur le plan intellectuel. C'est parce qu'elle est posée, là. Qu'elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas épapillée comme toi. Maintenant, toi, qui traites femme des gens, qui traites soeur des gens, des tisa, là. Toi, de ta race là. Cette tisa là, que toi tu as pris mettre à la maison là-bas. Tu la maries pas, hein. Tu fais pas coco, hein. Tu fais pas d'autres, hein. Tu appelles, comment même? T'as dessiné. T'as dessiné. Tu pousses toujours ta dessiné à la verdie populaire. Elle est couchée dans ton lit, dans ton soi-disant canapé où tu appelles lit là. Elle est couchée dedans. Et puis toi, tu vas dans la douche pour aller t'exhiber devant femme des autres personnes à travers portable. Jusqu'à tu te vides de toute ta substance au devant de l'écran de la femme d'une autre personne qui est dans son foyer, qui est couchée avec son soi-disant aussi mari aussi, comme elle aussi, elle connaît pas sa valeur aussi, elle connaît pas sa valeur, elle connaît pas aussi la valeur de l'homme qu'elle a avec lui aussi là. Elle aussi, elle sort bien, ça sort dans la cuisine, et puis toi, tu écartes tes jambes là dans la douche, et puis tu lui montres comment tu fais ta chose là. C'est toi qui as venu traiter José de tisa. Tu t'es bien vu? Tu t'es bien regardé? Tu t'es bien vu, Jesse J? Quand les gens honnêtes parlent là, faut t'enlever dedans. T'as compris? Bah, toi, t'es très mal placé pour venir faire la morale à José.
tu es très mal placé. Parce que toi, tu es une personne indigne. Où tu es vendu. C'est-à-dire que toi, où tu es là, pour une histoire de 50 euros, là, tu es capable de changer ta veste. Pour une histoire de 1000 euros, là, tu es capable de changer de veste. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de dignité. Tu es en train de traiter José de tant, 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 des mails là. Si jamais tu as eu l'occasion de t'approcher de José, tu as fait bim. Parce que là, le Dieu. Parce que tu es fan de Dieu. Parce que tu es vendu. Tu es caméléon. Tu n'as pas honte. Donc, avant de venir traiter José de ce que toi tu appelles Tisa là. En tout cas, toi-même là, pour toi là, elle est la reine de Tisa. Pour toi là, que tu appelles Dussiné là, elle-même là, elle est là au niveau des reines de Tisa. Toi-même là, tu es le plus, tu es le maître maître de Tisa. Tu es le maître maître de Tisa. Bah, et toi, tu es là, tu fouilles dans la robe des filles là. Si Facebook ici, tu passes ton temps à fouiller dans les robes. Pour une simple histoire de vouloir faire la promotion de ta collègue blogueuse qui est Madame la Flamme, tu voulais finir à elle. Et la petite fille t'a poussé jusqu'à... Tu es allé t'exhiber. C'est-à-dire que tu devant ton portable, tes mains nues devant elle pour lui montrer que tu es boron. Pourtant, à côté de toi, là, il y avait ce que tu appelles femme à côté de toi. Que tu appelles du ciné à côté de toi. Attends, on peut être Tisa, promasse comme toi, et puis venir traiter femme des gens, soeur des gens de Tisa, maudia. Ton maudia. Regardez-moi ça. Toi, tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? Tu apportes quoi à ton pays, la Côte d'Ivoire? Tu apportes quoi? Tu apportes quoi? Qu'est-ce que tu as envoyé une fois à ton pays, contrairement à José? Contrairement à José là, toi, dis là, t'as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? José là, jusqu'à preuve de contraire, elle envoie toujours les prix à la Côte d'Ivoire. Elle représente la Côte d'Ivoire dans les différentes structures, dans les différentes activités à laquelle elle a fait partie. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu penses que ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire là, c'est d'aller prendre les aiguilles, mettre dans tes lèvres là pour te dépigmenter. C'est ça que tu as envoyé à la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ça. Adama, on n'a pas besoin de ça. Ton dagbolobal, c'est pour toi et puis ta Dussiné. Nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, ne viens pas nous faire chier. T'as compris? Ne viens pas nous faire chier. Faut penser plutôt comment tu as t'occuper de tes, d'après toi, ta 4x4 là. Toi, tes amis vont à l'aventure. Ils vont grouiller. Ils vont se chercher pour venir régler les pays. Venir construire. Venir déposer des entreprises. Toi, pour toi, là, c'est 4x4 là qui est devenu ton entreprise. Pour toi, là, c'est 4x4 là qui est devenu ta maison, qui est devenu ta construction, ton pays. Donc, le jour où tu es allé dans ton pays, dans pays, la Côte d'Ivoire, là, ta 4x4 là, tu as chargé sur ta tête comme ça. Et puis tu as marché en bas pour aller à ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu as marché sur la mer là, avec 4x4 là, pour aller à Côte d'Ivoire. Donc il faut plutôt commencer à comment tu vas pouvoir charger ta tête là, que de venir transcrire sur la vie de José. C'est pas ta camarade, José, c'est pas ta camarade. Même Sérédier là, lui il a envoyé trophée à la Côte d'Ivoire. Il a envoyé prix à la Côte d'Ivoire. Il honore la Côte d'Ivoire. Toi, tu fais quoi? Toi, un moron vendu comme ça. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Un affamé comme toi. Un affamé comme toi. Tu es trop affamé? C'est toi aussi, tu vas venir parler sur José. Tu vas faire la coup de mourir à José. Toi, habite à Go là. Toi, habite à Go, Francine Bala. Vous deux là. Vous avez intérêt à laisser la vie de José. Mais si vous vous amusez à sortir faire vos vidéos à 2 balles là. Vous pouvez me sentir sur vos chemins. Et c'est ça pour vous, hein, vous devez faire pour vous. Si vous vous amusez à sortir sur la vie de José, là, vous allez m'accueillir sur vos chemins. Vous allez me sentir sur vos chemins. Vous, les personnes illettrées, sans, dit que sans cerveau, là, il y a des situations plus importantes
Vous ne parlez pas de ça. Vous qui êtes les plus sales là, jusqu'à la racine là. Au lieu de vous cacher un peu. En temps normal là, quand on parle des sujets comme ça là, vous devez vous cacher. Quand on soulève les sujets comme ça, vous devez vous cacher. On ne doit pas voir vos visages, vous deux là. On ne doit pas attendre vos bruits, même votre voix, on ne doit pas attendre ça. Par exemple, toi, Francis Bao, toi, Jesse Joe, vous êtes les deux tordus de Facebook. On ne doit pas attendre votre voix parler. Vous devez vous cacher, vous faites oublier. Mais non, c'est là où vous voulez vous gonfler dedans. Comme si vous, on vous a oublié. Vous pensez que nous, on est aveugle? Carrément. Laissez José tranquille. José n'a pas de compte à vous rendre. José n'a pas de compte à vous rendre. T'as compris? Vous êtes surtout le couple caméléon. J'espère que vous avez bien saisi. José là, elle n'a pas de compte à vous rendre. Vous avez intérêt de libérer la vie de José. Si les abonnés qui pensent parler à José peuvent parler, ils vont parler. Si les frères qui pensent parler à José en tant que les abonnés, en tant que les fans, ils peuvent parler. Mais vous deux là, vous deux, les deux larbins là, arrêtez de venir faussifier sur la vie de José parce que vous n'êtes rien. Vous êtes deux vendus. Vous êtes deux caméléons. Vous êtes vendus deux pour 5 francs. Donc calmez-vous. Frère Simba, faut te calmer. Où toi tu es là? Je comprends que tous ces bruits que tu fais là, c'est pour te faire remarquer. Mais ma soeur, actuellement là, les joueurs ivoiriens là, ils sont tous pris déjà. Bah, et toi, ton mal, je comprends, je connais. Ton mal, là, je comprends. Ton mal, là, ton souhait, là, c'était d'avoir un joueur comme mari. Mais dans tout ton parcours, là, tu n'as jamais eu un joueur, même un joueur de Maracana, n'a jamais eu même à venir te draguer. Un joueur de Maracana, au Zébier, là, il n'a jamais eu même le courage de venir te dire bonjour. À plus forte raison. Un joueur de Premier League de Côte d'Ivoire. Tu n'as pas eu l'occasion là. Ce n'est pas les joueurs internationaux comme les séries dit là que toi tu vas avoir. Donc c'est ça ton problème. Tu n'as pas eu un joueur. Même toi, comme tu es fan de Djer là. Comme toi tu es fan de Djer là. Tu pensais que tu allais séduire un joueur football. Un footballeur. Mais malheureusement pour toi, il a fallu que tu sois là où tu es aujourd'hui. Pour que tu puisses aller piquer le mari de tes camarades, pour que toi tu sois appelé aujourd'hui femme de temps. Et puis toi, tu vas venir faire la morale aux gens. Tu es mal barré. Faut te cacher. Sinon, ton affaire de Tiza là, toi-même là, tu es plus que Tiza Promas. Pour toi, c'est Promix. Pour toi là, c'est Tiza Promix. Hein? Donc, faut te calmer. Calme tes ardeurs. Et tu comprends? Mais tu n'as pas le choix. Tu vas te contenter de ton type que tu as là. Avec aussi ton Jesse J. Hein? Que tu te caches pas de lui là. Tu vas te contenter de lui. Les deux là. Ils te suffisent. On ne veut plus de toi comme quelqu'un de. Tu n'auras même pas même. C'est-à-dire que du gardien jusqu'à en pointe là. Les joueurs là. Tu vas jamais avoir un dedans. On va veiller dessus. On va veiller à ça. Il est juste à viser pour te coller à un là. Frappement que tu vas avoir là. Tu vas jamais oublier ça. Donc, toi, il faut te classer. On te comprend? Quand tu as fini de pleurer là, tu vas te maîtriser. Tu as compris? Sinon, pour ton information là, c'est parce que la fille là, elle est sage qu'elle est venue parler. Tu as compris? Voilà. Donc, ne pense pas que toi, tu es trop sage, tu es trop intelligente que José. Faut oublier ça. Voilà. Donc la famille, c'était un petit live. J'espère que le message est passé. Sans plus tarder, on va se dire un petit coucou là. Voilà. Donc, on va se dire un petit coucou famille. Oh là là. Voilà. Donc, décidé, c'était ton message. Arrête d'emmerder José. C'est pas ta camarade. T'as compris petit? Attends. Et là, tu vois un. Voilà. Tu me vois, non? Hein? Non, mais depuis José, laissez la fille là tranquille. Laissez la bonne dame là tranquille. Vous deux là, oubliez-la. Passez à autre chose.
C'était mon petit message pour vous, quoi. Pour vous dire, passons où je les gangabas là. Je suis là et vous attends. Si vous deux là, vous ne vous arrêtez pas. J'ai sorti pour dire vos vrais noms. Et puis j'ai dit, à faire des frottements de vous deux là. Où ça s'est passé là? Il est venu mettre le vrai papou dehors. Si vous ne croyez pas là, jouez à ça. On est senti dedans. Carrément. Josie! Bonne soirée, ma soeur. Prends soin de toi. Il n'y a pas aucun. Si c'est pour te votre famille, ciao, ciao. On ensemble. Biaka.